moi si qui est d'autre que Car Vertical, les amis. Car Vertical, vous connaissez, ça permet de vérifier votre véhicule ou votre moto, donc que ça soit avec le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation. En l'occurrence, aujourd'hui, on passe un 390 Duke sur Car Vertical. Vous allez voir que la photo transmise par l'expert et l'assurance, c'est pas bon. Alors, on va voir si le véhicule a été volé. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau du compteur kilométrique, on a deux relevés de kilométrage. Ok, donc le kilométrage en 2022, 7000. Ok, ça n'a pas l'air trop suspect. Au niveau des dommages, il n'y a rien au niveau des dommages. Ok, au niveau du véhicule, on est bien sur la KTM, la 390 Duke. Ok, pas de souci. Alors là, sur l'activité du véhicule, on voit que tout simplement, il y a des traces du véhicule au niveau de la Finlande, de la Pologne. Ok, d'accord. Et du coup, si on se met sur les photos transmises par l'assurance, ok, on tombe sur un véhicule qui était accidenté, donc faire très attention avant achat. Toujours vérifier, même si là, je pense que tu peux refaire ça. Enfin, quoique, si ton châssis est pété, ça va être compliqué. N'hésite pas, tu bénéficies de 20% avec ton code promo Léonade sur les rapports. Donc là, si tu prends la meilleure offre, tu peux bénéficier de 20% de réduction supplémentaire. Le lien est en description. Merci à Car Vertical. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec le 150 devant. Et là comme vous l'avez vu, en chauffe avec le 125 CR. On va le laisser chauffer tranquillement. C'est un petit peu le test sur terrain aujourd'hui. On est revenu sur le terrain abandonné de motocross qu'on vous avait déjà filmé. On va laisser chauffer tranquillement la moto pour ensuite vous montrer comment ça accélère. Parce que pour l'âge, mes mères, elle en a encore dans le ventre. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de vidéo, ce genre de petit test balade avec des petites motos comme ça. Il y a quand même un petit réglage à faire, ma foi. Ce qui m'étonnerait pas. On va la laisser chauffer tranquillement. J'ai pas envie de serrer non plus ce beau véhicule. Comme quoi, on n'est pas les seuls à venir rouler ici. Hein. C'est quand même que c'est un bon endroit pour rouler. Là, par contre, je pense que ça va être casse-gueule. Voilà, ça va glisser beaucoup ici. Voilà, c'est le vrai premier test de la moto. J'ai pas fait de test avant. Donc là, si j'accélère pas les amis, c'est limite un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Mais sinon voilà, 125. Mais ça marche comme il le faut. Alors on a rencontré un petit problème avec la moto. Il a toujours pas été réglé, donc c'est pour ça qu'on règle un petit peu. Et il y a toujours du coup ce problème de boîte, comme je vous dis, c'est l'un des premiers tests. Elle n'a pas encore été réparée. Donc c'est normal qu'il y a des petits défauts encore. Putain, j'ai mangé un genre de moustique dans l'œil. Ah ouais, non, là il y a un... Wow. Attends, on mange des moustiques ici. Ouais, 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 le virage, ouais, le virage. Ouais, un peu de cross, un peu de cross. Genre tu sais pas combien t'es, du coup c'est chiant. Que cela tu sais. Là on sait, il y a le frein moteur et tout. Là il n'y a pas de frein moteur.
Dans la montée, j'ai failli caler en haut à la calée. Un peu bon rapport. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of